Salut tout le monde, c'est Jack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur American Fugitive et puis bon on va continuer l'émission avec Vito. Donc bah allez, on va aller le voir direct les gars, on va aller voir ce qu'il veut Vito. Et Lucas, t'as déjà vu un costume sur mesure? Genre pour les funérailles ou quelque chose du genre? Ouais t'inquiète, j'en ai deux. Non, je n'ai pas pu aller à l'enterrement de mon père, pourquoi? Les Gambazzini font appel à cet assassin qu'ils appellent le tailleur. Il s'habille toujours comme s'il allait à un enterrement. Il a été repéré sur nos terres, en train de repérer l'endroit. Il me rend parano. Tu crois que les Gambaccini vont essayer de tenter quelque chose? Je sais pas. Il fut un temps où ils n'auraient pas osé, mais je pense qu'ils sont attirés par l'odeur du sang. D'habitude, je ferai mon propre assassin. Mais il est moins bien habillé. Non, Lucas, mon homme de main habituel est mort. Tout comme beaucoup de mes gars habituels. Ce qui veut dire que je compte sur toi pour gérer ça. Ah d'accord. Ah là tu voulais que je tue personne, par contre lui il veut que j'en bute du monde. Bon bah écoutez, ça c'est pas trop difficile. Ça va pas être trop dur, bougez pas. Hey, ma voiture. T'es un ouf toi. Carjacké. Dégage de là. Je te t'attends la gueule. Fouillé. Ouais, je vais prendre les deux, tiens. Non, je m'en fous du... Voilà. Traîner. Dans le clé de corps, dans le véhicule. Déposer. Broyer le véhicule. Pas de problème, tout ça, je connais. T'inquiète même pas. On va broyer le véhicule. Voilà, tout simplement. Bon travail des mafieux, ça. Je s'occupe de tout. Hop là, t'inquiète. Je vais m'occuper de la machine, je sais comment ça marche, t'inquiète même pas. Allez, viens là, toi. Voilà, super. Voilà, fais un tour. Derrière, je vais te secouer un petit peu, moi. On va faire un petit peu de... Voilà. Hop là, c'est bon, ça. Allez, fonce là-dedans, toi. Voilà, super. Normalement, il va sortir un petit cube. Où il va sortir le cube. Ah il est là. Ah voilà, là je me suis débarrassé de la compétition là, non? C'est pas bon. C'est pas bon ce que j'ai fait là, monsieur Vito. Rendre visite au contact. Ouais. Oh il y a le train. J'essaie d'attraper le train. Ouais, c'est bon ça. Monsieur Vito Corleone, il est où? Si là ça va aller par là-bas. Ouais, il va falloir que je m'éjecte après. Bon bah déjà ça va me rapprocher un peu, c'est plutôt sympathique tout ça. Alors Vito. Lucas, viens t'asseoir près de moi. Je vais te poser une question et je ne vais pas la répéter. Est-ce que je suis un bon patron? Quelqu'un dit le contraire? Le meilleur patron que j'ai jamais eu, arrête de faire le suceur. Quelqu'un dit le contraire? Certainement pas devant moi, mais derrière moi. Mais dernièrement, j'ai pas vraiment l'impression d'être taillé pour le job. Ces gens, Lucas, notre famille, nous ne sommes plus ce que nous étions. Mon père a fait de cette ville la sienne. C'était à nous. On devait fracasser quelques crânes de temps en temps, bien sûr. Mais on a maintenant la paix parce que personne n'osait faire la guerre. Nous faire la guerre. Et maintenant, la guerre est là. La guerre lente et silencieuse. Mais on tombe comme des mouches, sans savoir d'où ça vient. Je suis là, patron. Tu peux me faire confiance. Je trouverai le responsable. Et c'était moi, Lucas. Et si c'était moi, Lucas? Et si j'étais faible, mon frère? Il n'aurait jamais toléré tout ça. Et je ne devrais pas non plus. Je devrais retirer cette épine du pied. J'ai laissé ces raclures de maclure marcher sur les plates-bandes pendant trop longtemps. Pas de demi-mesure, Lucas. Tue les tous. Allez, il veut que je bute tous les McCoy. Vainque les McCoy.
D'accord. Oh bah écoutez, là c'est la guerre les gars, lui veut faire la guerre à tout le monde. Ok. Bah écoute, hein. On y va. Ah ouais, ça va être tendu ça. Ça va être tendu les gars. Il y a du monde. Voilà, j'y vais armé direct là par contre. Allez voir les McCoy. Will, qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Dwayne, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a fait ça? Ils voulaient faire la paix, ils ont dit qu'ils voulaient tous. Je vais te sortir de là, Dwayne, je vais. Ils sont. Non! Ils ont buté Dwayne. Je pensais vraiment qu'il était déjà mort. Ah oh ouais, je me rappelle de lui là. Ce vieux fou là. T'aurais dû l'entendre supplier tout à l'heure. Il a vendu tout ce qu'il pouvait pour sauver sa peau. Tout le monde sauf toi. Peut-être que s'il avait été un peu moins loyal, il serait encore là. Tu vas crever pour ça. T'as pas ça en toi, on s'est déjà battu, tu te souviens? Tu ne fais pas ce que tu es. Tiens, bah regarde. T'as vu ou pas? Là, comme ça, c'est réglé celle-là. Toi aussi, t'es mort. C'est l'heure d'en finir pour moi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais plus viser ou quoi? Allez, range-moi ça là. Range-moi ça là, tu vas voir. Je vais vous régler la patate, moi, les gars. Ok, ok, c'est chaud. Ok, ok, c'est chaud. Ok, ok, c'est chaud. Et comment ça se fait, j'ai plus rien à bouffer là? Oh putain, il m'a buté. Ah, il m'a buté. Ah les gars, c'est le bordel, hein. C'est la guerre en tout cas, donc c'est un sacré bordel. Recharge, recharge. Oh, bon, attendez, parce que là, là, ça va pas là. Ça va pas là. Tu vas voir. Putain, ça tire de partout, les gars. Ça tire de partout. C'est un truc de ouf. Recharge, recharge, mon frère, recharge. Recharge, recharge, mon pote, recharge. Recharge, recharge, puisque là c'est un bordel de ouf. Je vais le finir. Voilà, je te finis toi. Tiens. Voilà. Je vais juste te fouiller. Hop, prendre ta tenue de merde là. Voilà. Et je retourne là-dedans là. Tu vois ce que je vais faire? Je vais même faire sauter ma caisse. Tiens. Vous voulez foutre le bordel les gars? Regarde. Vous êtes en train de dormir hier, ça va pas dormir longtemps avec moi. Tiens. Tu vois? Alors. Allez, rentre là-dedans là. Qu'est-ce qui se passe encore? Putain. Putain. Ah, ils ont buté Dwayne, putain, les salopards. Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans, mec. Tu méritais mieux. Merde, les flics, je ferais mieux de me tirer des... Au revoir, Dwayne.
Non, bah c'est bon, de toute façon, je suis caché là. Je suis caché, donc c'est bon, je suis bien là. Putain, ils ont buté Dwayne. Bon, bah de toute façon, je les ai tous terminés. Un peu moins loyal. Ok, bah c'est nickel. J'ai besoin de toi ici, c'est urgent. Ouais. Ok, mec. Oh, les ouf. Ils sont ouf, ces keufs. Donc allez, rendre visite. Don Vito, vous voulez me voir? Tout va bien, petit? On dirait que quelqu'un vient de te frapper dans le ventre. Ça va aller, j'ai juste du mal à m'adapter à cette ville. Tu as fait du bon boulot pour moi, petit. Tu as été loyal. Maintenant, j'ai besoin d'autre chose. Si tu es à la hauteur. Tout ce que vous voulez, patron. J'ai besoin que tu ailles rencontrer un contrebandier au nom de Rusty. Je veux que tu travailles pour lui. D'accord. Tu es déçu, je sais. Je le suis aussi. Je viens d'anéantir un gang rival en mon nom. Et tu penses mériter mieux que d'avoir affaire avec un receleur de bon niveau, pas vrai? Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi moi? C'est une affaire de famille, Lucas. Ce contrebandier est mon beau-frère. D'accord. C'est ce qui arrive quand on se marie avec quelqu'un d'une classe inférieure, comme mon frère l'a dit. Ça me fait mal de l'avouer, mais il a parfois raison. Je comprends, les beaux-frères, c'est pas toujours facile. Ouais, tu m'étonnes. Je ne savais pas que tu étais marié. Je l'étais, une fois. C'est tout, monsieur. Il y a d'autres choses dont je dois te parler d'abord. Quoi? Vous pouvez me le dire? Quelqu'un nous menace et surveille ma famille. Rusty est ajouté à la nuire. Oh, ok les gars, je dois m'assurer qu'il va bien au cours des prochains jours. Travaille avec lui, fais attention à lui pendant que j'essaie d'aller au fond des choses. Rencontrer le producteur d'alcool clandestin. Allez voir le producteur d'alcool clandestin, déferler les nouveaux contacts. Ok, pas de problème. Donc bah voilà les gars, bah écoutez, je pense que là pour l'instant on en a fini avec Vito, donc il faudra aller voir le compte en modier sur la prochaine partie. Donc plutôt pas mal. Bon bah on avance tranquillement, il reste pas mal de trucs à faire, donc toujours aussi sympathique. Donc laissez les messages dans les commentaires les gars si ça vous a plu, puis on se retrouve dans la prochaine partie, donc bah portez-vous bien, ciao bye tout le monde.